La criminalité devient inquiétante au Sénégal. Un jeune de 35 ans, tué au Jaslem par un de ses voisins. Un crime inexplicable. Qu'on l'a poignardé, donc sur beaucoup de coups, il a reçu beaucoup de coups. Donc le résultat et le rapport définitif du médecin sont très clairs. Donc nous avons aussi reçu le procès-verbal de la police. Après 2 heures qu'il était parti voir son ami, donc ils se sont discutés, il était en train de discuter avec le frère. Donc c'est aussitôt après que les gens du quartier ont entendu des cris. Donc c'est des cris alarmants donc, qui ont poussé vraiment les gens à venir à son secours. Donc une fois venu, on l'a acheminé à l'hôpital. Donc c'est là-bas qu'il a rendu l'âme. Les habitants du quartier réclament le départ de cette famille qui, selon eux, en a sa 4e victime. Pour la famille concernée, ils ont causé trop de malheur dans la cité. Si le compte est bon, on est à leur 4e homicide. Ben famille. Il fallait qu'ils aient collecté son argent. Nous avons fait Google Cousin Birker. Le gars, il est sorti sans vie. Quelqu'un avec qui on a pris le café au petit matin, je dougo marché à HLM pour écouler sa marchandise, pour comment gérer ses vacances. Il s'apprêtait à rentrer. La victime était venue en vacances et devait repartir sitôt, mais Dieu en a décidé autrement.